Ok YouTube, du coup on est parti pour l'unboxing enfin, let's go. Bon, j'explique vite fait le truc, pour ceux qui sont sur YouTube, ceux qui comprennent pas. La souris les amis, c'est un modèle qui est premièrement fait par Logitech. Donc la Logitech G Pro Wireless, une souris extrêmement populaire et extrêmement bien. Et il y a un mec sur Instagram, il s'appelle Artimice. Il fait justement des designs customisés de cette souris là. Il a repeint, il change des trucs à l'intérieur, etc. Et il fait des modèles uniques, c'est à dire que quand il fait une souris, il en fait pas plusieurs. Il fait une seule fois cette souris là, ce design là, et il la met sur son Instagram et du coup ceux qui veulent l'acheter l'achètent. Et j'ai décidé d'en acheter une parce que je kiffe les souris et je l'ai trouvé hyper stylé. Et ça faisait surtout hyper longtemps que je voulais lui en acheter une. Et à chaque fois que je venais chez lui, il me faisait ouais mais c'est déjà vendu en fait. Ouais, le colis il est bien protégé hein. Oh, le vendeur il fait les choses bien. Et ok, du coup on a la boîte officielle hein. On a la boîte de la souris officielle. Parce qu'en fait il achète la souris toute neuve, puis il fait de la custom. Ok. Oh, il y a sa petite signature dessus. Oh, il y a sa petite signature, je sais pas si on va la voir. Il écrit custom Artimice. Papa, c'est de la super qualité, Momo. De la super qualité, Momo. Waouh. Hey, le mec, il l'a grave putain de bien emballé, wesh. What the fuck, il a mis le plastique et tout en dessus. Ok. On dirait un vrai modèle, genre. On dirait un vrai modèle alors que c'est une custom. Le câble est là. Le câble est là. Et du coup, la connectique sans fil, je suppose qu'elle est là. Oh, les petits bouts aussi peints en violet. Regardez, wesh. Les petits bouts sont peints en violet. Vous savez, les petits bouts que vous pouvez remplacer sur les côtés. L'intérieur aussi a été repeint, regardez, wesh. Est-ce que vous voyez ou pas? L'intérieur, là, ici. Juste ici, là. Vous voyez au niveau du câble? Ça a été repeint, wesh. Ah, c'est trop stylé. Et le tapis de souris? Tapis de souris, j'ai déjà une idée. Entre deux peintures d'ongles, hop là. Oh. Peinture d'ongles, là, ouais. J'avoue. Elle se peint les ongles. Bah, en soi, oui, c'est ça. Bon, les mecs, boutique d'objets. Allez, boutique d'objets, là, allez. Soutenez un créateur. Vous mettez UMS en majuscule ou en minuscule. Vous cliquez sur accepter. Et s'il y a écrit créateur soutenu juste en bas de votre écran, ça veut dire que c'est bon. Mettez-le juste avant d'acheter les skins, les mecs. C'est hyper important, ça vous coûte rien. Deux petites secondes de votre vie. Et ça m'aide juste énormément. Vous vous rendez pas compte à quel point, les mecs, ça aide le code créateur. Je veux que tout le monde le mette. Mettez-le, ça vous coûte rien. Vous perdez rien. Et si vous m'aimez, ça m'aide beaucoup. Genre, ça m'aide juste énormément. Donc, boutique d'objets, code UMS pour un maximum de shield. Et ouais, les frères, code UMS pour un maximum de shield. Les mecs, on est deux semaines après avoir reçu la souris. Et regardez-moi cette beauté. Elle a toujours la même couleur. Alors qu'elle a été peinte. Elle a été peinte. Ok, il y a juste un mec là-bas. Attends, petite balle de snipe. Regardez bien. T'es où? Regardez. Ah, presque, pas loin. Bon, ça va, on se fait un peu. Bon, les mecs, ça fait deux semaines hein, que j'ai filmé le début de la vidéo. Et en vrai, la souris, elle a pas perdu une seule couleur. No joke, ça me... En fait, maintenant que je le dis, ça m'étonne. Parce qu'on dirait vraiment pas que j'ai la souris depuis autant de temps. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut noter. Hein. Je trouve que c'est quelque chose qu'il faut noter. Parce que le mec, il l'a peinte et tout. C'est quelque chose d'artisanal, tu vois. C'est pas une souris qui a été peinte industriellement. C'est quelque chose qui a été fait par le mec lui-même. J'avais voulu filmer la game de test il y a de ça quelques jours, mais c'était encore la saison 2. Du coup, je me suis dit, je vais attendre la saison 3. Comme ça, les gens, ils vont voir un gameplay, tu vois. La saison 3, t'as compris ce que je veux dire. Regardez ça. Ça, c'est les abonnés de Nanas quand ils sont allés fight Nextas dans ses commentaires. Regardez, ils sont tous allés comme ça. Wouah. Oula, tu me veux quoi, toi? Qu'est-ce que tu me veux, toi? Hop là, on charge le pont. Hop. Bon, lui, il était nul à chier. Hein. Lui, t'es vraiment nul. T'es vraiment éclatax. Je suis incroyable hein. Oh là 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 là, mais je suis un sniper. Je rigole hein, ils étaient nuls à chier, c'était des bots. Mystery, je peux savoir ce que tu fais? Mystery, pourquoi tu me mords le pied? Je peux avoir des explications ou pas? Mystery. Non Mystery, on mord pas le pied. Mystery. Non. Eh, faut que vous soyez... ouais super le requin, merci. Si vous soyez sur mes lives les mecs, mais vous rigoleriez à quel point j'ai aucune autorité sur Mystery. Aucune autorité. A chaque fois que je lui dis de pas faire quelque chose, il le fait et continue à le faire. Il s'en bat les couilles. J'arrive pas encore à lui dire genre en mode non, il arrête. Je sais pas comment faire.
Donc je demande des conseils. Donc si vous avez un conseil, en vrai, donnez-les-moi. En vrai de vrai. Genre ça m'intéresse beaucoup. J'arrive pas encore à me faire écouter par Mystery. Pour qu'il a hâte de, par exemple, monter sur le bureau ou quoi. Genre par exemple, tu vois, il est en train de me mordre le pied là. Mystery, non! En plus, ces petites morsures, elles font mal, hein. Ces morsures, elles font mal, là. Il est en train de faire ses dents, et ça fait mal, hein. Il maîtrise pas encore sa force. Du coup, moi, je suis là, je crie, hein. Du coup, voilà, c'est mon petit problème en ce moment avec Mystery. Il écoute rien à ce que je lui dis de faire. Et il veut trop manger de pâté. Genre, à chaque fois, il miaule, et je cède. Genre, j'ai l'impression qu'il va mourir, en fait, s'il a pas de pâté. Mais je sais, hein. On m'a dit, ouais, le pâté, c'est pas vital et tout pour Mystery. Enfin, pour mon chat. Pour un chaton, je veux dire. Et moi, je leur donne quand même. Mystery, non! C'est quoi, jouer avec mes claquettes? Tu veux jouer avec mes claquettes? Tiens, joue avec mes claquettes. Hop là. Allez, fais-en ce que tu veux. Par contre, il y a le mec au pad. Oh là 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 là, let's go. Je l'ai arraché. Hein. Je l'ai arraché. Il est quoi? Hop. Oh, il me remet tellement bien. Oh, il me remet tellement bien, grappin et tout. Oh là là, quel frère. Oh, let's go, le pompe violet. Il m'a bien chalas, le pompe violet. Et je dis il m'a bien chalas, mais en vrai, j'ai même pas l'impression que les dégâts ils changent tant que ça entre les couleurs de pompe. J'ai l'impression, genre, si j'ai un pompe vert, ça change pas tant que ça que de, le fait d'avoir un pompe violet. Genre, si tu charges et tout, j'ai l'impression que les dégâts ils changent pas trop. Après, c'est peut-être parce que je fais pas gaffe, hein. Mais j'ai vraiment pas l'impression que ça change beaucoup. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je dis pas du tout ça pour faire un maximum de... Oulala, pour faire un maximum de commentaires. Mais vraiment parce que votre avis m'intéresse pour le coup. Vraiment, vraiment. Genre, de vrai, de vrai. D'ailleurs, les manettes, là. Les dalles à viser, c'est fini, hein. C'est fini, les dalles à viser. Alors, on fait comment, là? Eh, ça se passe comment? Je disais les dalles à viser, ça se passe comment pour les manettes là, hein? Alors on parle chinois un peu là. Je vois il y a des mecs qui disent les dalles à viser, c'est bon, je touche plus personne de loin. Bah alors on doit traîner son shoot, hein? En vrai ça doit être compliqué d'avoir un changement comme ça d'un coup. D'un coup ne plus avoir des dalles à viser de loin. Enfin je crois qu'il y a les dalles à viser de loin et de près qui a été modifié. Après à ce qui paraît ça a été changé que pour les joueurs manettes PC et pas les manettes PS4. C'est ce qu'on m'a dit. Mais dans tous les cas j'ai vu qu'il y a eu un changement parce que je me fais beaucoup moins laser. J'ai beaucoup moins de gros lasers comme avant, tu sais. Va falloir train sur shoot, hein. Mais honnêtement je pense qu'ils vont réajuster encore. Je pense qu'ils vont réaméliorer le aim assist. Parce que là ils ont vraiment trop baissé, je pense. Je pense qu'ils vont en remettre un tout petit peu, genre. Un tout petit peu plus. Parce que là il y a vraiment beaucoup de gens qui se sont plaints. Il y a beaucoup de manettes qui se sont plaints, hein. Même des gros youtubeurs et tout manettes, hein, ils se sont plaints. Du coup je pense qu'ils vont remettre mais un tout petit peu, tu vois, pas trop. Pas comme avant, mais un tout petit peu, un tout chouïa. Même si moi je reste de l'avis que la manette c'est fait pour être sur PS4 et que la souris c'est fait pour être sur PC. Ils devraient même pas mélanger les deux en vrai. Pour moi, les deux devraient pas être mélangés. C'est pas du tout la même manière de jouer, genre. C'est vraiment pas la même manière de jouer. Parce qu'en fait, je pense que ça fait chier certains manettes de se faire edit hyper rapidement, de reset mode et tout plein de trucs. Et je pense que ça fait chouiller beaucoup de joueurs, comment ça s'appelle, clavier souris, de se faire laser par un manette justement. Donc en fait, il y a un truc qui fait chier les deux, de genre des deux côtés. D'un côté, t'as les constructions hyper rapides et tout, et de l'autre côté, t'as l'aim assist, les lasers à la manette. Du coup, on fait manette entre manette et clavier souris entre clavier souris. C'est tout. Ça réglerait tous les soucis, je pense. Ok. Ce pompe il est trop bien. Vous savez que je commence à le kiffer, hein. Au début j'étais là en mode le pompe il est nul, c'est sérieux, tu dois charger et tout. La saison il est nul, l'arme elle est nulle. Le pompe il est trop bien. Quand t'as une bonne AIM et que tu sais vraiment bien viser tes balles, bien toucher tes balles dans le crâne, le pompe il est trop bien. Il va pas mourir. Regardez. Arrête de bouger, arrête de bouger. Eh, les manettes là! Les dalles à viser, c'est fini, hein! Mystery m'a regardé bizarrement, il m'a dit: mais qu'est-ce qu'il fout celui-là?
Je vous jure, il m'a regardé comme ça, il m'a dit c'est lui mon maître là. Miaou, c'est lui mon maître là. Je l'ai laser. Oh là là. D'ailleurs, les mecs, la Hog mythique, hein. La Hog mythique, les amis. What the fuck. Nouvelle arme mythique. Salut à toi, mon pote. En fait, moi je suis là. En fait, j'habite ici en fait de base. Je sais pas si tu me connais. En fait, je sais pas si tu me connais, mon pote, mais en fait, j'habite ici à la base. Voilà, on ravive nous. On ravive la flamme. Et du coup, ah oui. Et je disais, y'a plus le Spacito. Ils ont enlevé le Spacito, les mecs. Ils ont enlevé le Spacito. Mystery, non. Mystery. Mystery, non. Non. Oh, tes petits yeux. Oh là là, tes petits yeux. Tes petits yeux, Mystery, tes petits yeux. Oh, tes petits yeux. Allez, va sur ton arbre à chat. Allez, va sur ton arbre à chat, Mystery. Ton papa, il est en train de filmer une vidéo, Mystery. Hein? Donc hop là, on le dérange pas. Bah alors, qu'est-ce qu'on fait là? On est dans la merde. Toi là, on est dans la merde là. Oh non. Non mais pourquoi est-ce que je fais le mec? Mais oh, ça me casse les couilles. Mais dès que je fais le mec, ça me retombe dessus. J'en ai marre. Et du coup, je vais devoir regarder. Oh, il était nul à chier. Snapper Savage. Il s'appelait Anonyme. Waouh. Qu'est-ce qui était rapide comme mec. Waouh. T'es tellement rapide. Ah oui, d'ailleurs, vous l'avez vu, je crois. Mais j'ai acheté les 100 paliers, j'ai fait le bouffon, j'ai fait le pigeon, j'ai acheté les 100 paliers. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre le code UMS dans la boutique, bien évidemment. On fait sa promotion de son code créateur absolument dans toutes les vidéos pour avoir un maximum de shield. Code UMS dans la boutique d'objets. Vous êtes dans soutenir un créateur. Code UMS, ça fait hyper plaisir, les frères. Et sur ce, je fais cette petite promo de cette souris qui est incroyable, sérieusement. Le mec qui me l'a fait était dans la description. Voilà, je vous ai mis le lien vers son Instagram. La souris est incroyable. Elle est incroyablement belle, vraiment. De la qualité de ouf. Les mecs, de base, elle est noire. Et là, il me l'a fait en galaxie. Elle est juste trop belle. Du coup, gros pouce en l'air pour cette souris, vraiment. Et vous mettez un petit pouce bleu. Vous vous abonnez, vous activez la cloche. Bisous, bisous.